savez qu'on a attribué, il y a à peu près un mois, l'aire autoroutière à un groupe pétrolier et un groupe hôtelier. Il y a un mois, nous étions sur les rangs candidats Migros pour cette aire autoroutière. Je dirais malheureusement des décisions politiques que certains mandataires, architectes, ingénieurs ont contestées parce qu'elles se sont faites dans des conditions quelque peu inhabituelles. Néanmoins, je dirais, bon joueur, nous n'avons pas été retenus, nous le regrettons beaucoup parce que Migros n'est présente dans aucune aire de ravitaillement sur les autoroutes suisses, ce que je trouve regrettable. Donc nous avions un grand espoir d'accrocher notre enseigne sur l'autoroute, surtout à l'entrée de la Suisse en venant de la France, alors que nous avons des magasins à Thoiry et Trembière. Donc c'était pour nous, je dirais, effectivement, une chose importante que de pouvoir nous placer sur cette autoroute. Malheureusement, nous n'en avons été écartés. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est un peu la réponse du berger à la bergère. On ne nous a pas retenus pour l'autoroute. Nous venons à côté de l'autoroute, un endroit très accessible, avec une belle station, probablement encore plus belle, et qui sera plus intéressante pour les jeunes voix que ce qu'elle aurait été sur l'autoroute. Et puis alors, ce qu'il faut mentionner, c'est non seulement une station, mais nous avons des partenaires, McDonald's, nous avons Europcar, nous avons un kiosque qui sera ouvert 7 jours sur 7 avec des horaires élargis. Donc là encore, des prestations que les jeunes voix apprécieront. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, en guise d'introduction, avant de laisser les principaux partenaires s'exprimer sur les prestations qui vous seront offertes dans cette station, la première, la plus grande de Suisse. Avec cet autocentre Migros de Val-Exer, nous établirons ensemble avec nos partenaires des nouveaux standards en ce qui concerne les stations-service, pas seulement ici, dans la région genevoise, mais dans toute la Suisse. Nouveaux standards en ce qui concerne les prestations, en ce qui concerne le choix pour les clients, en ce qui concerne le niveau de service que nous allons offrir et aussi les commodités pour l'automobiliste et pour les clients en général, et aussi en matière de sécurité, pas seulement sécurité avec nos produits, mais aussi sécurité pour l'environnement. L'ouverture aujourd'hui de notre superstation, j'ose dire, Migros, qui est, M. Hauser l'a dit déjà, la plus grande en Suisse, non seulement pour Migros, mais c'est actuellement la plus grande station-service de l'industrie pétrolière ici en Suisse, marque le début de cette métamorphose du centre Val-Exer que M. Hauser aussi a énoncé. Et les superlatifs que nous pouvons vous offrir ensemble avec nos partenaires ici sur cette station, ils sont qu'un premier échantillon de ce que sera le centre Val-Exer modernisé, qui sera le plus grand centre de shopping et de loisirs ici en Suisse romande. Merci M. Gans. M. Gans nous a parlé de son vaisseau amiral. Je suis sûr que M. Sardinia, le directeur général d'Europcar, va nous parler de sa flotte. Bienvenue ici. Pour nous, c'est particulièrement réjouissant aujourd'hui. C'est un jour qui restera gravé dans nos mémoires. Depuis plus de 15 ans, nous étions à Val-Exer déjà. Peut-être qu'en passant, peut-être vous avez été client d'Europcar à Val-Exer et vous avez vu une cabane ici, sur la place, qui était assez précaire pour travailler, mais qui a toujours été notre succès en Suisse. D'ailleurs, Val-Exer est pour nous la plus grande station d'utilitaire en Suisse, malgré les conditions précaires. Ça veut dire qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Mais avec beaucoup, on peut faire encore plus. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup. Nous avons de partenaires qui, pour nous, donnent des effets de synergie qui sont très importants. L'apport du public ici, l'emplacement près de l'aéroport, est pour nous vraiment une place stratégique. En plus, j'aimerais tout particulièrement remercier M. Kunz. Nous connaissons depuis déjà quelques années et on sait qu'avec beaucoup de patience, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Il a fallu attendre quelques années, mais aujourd'hui le jour est là. Et puis, je vous remercie M. Kunz. Monsieur
Sardinia, M. Charles Zender, indépendamment de ses activités au sein de la société McDonald's, est, je précise, président de l'association des commerçants de Malexerre. C'est la preuve que cette station fait bien partie du centre. Je lui passe la parole. Merci, monsieur. Bien, mesdames et messieurs, cordiale bienvenue à l'autocentre Malexerre. Pour McDonald's, nous avons aujourd'hui trois événements à vous annoncer. Le premier de ces événements est que nous ouvrons tout à l'heure au public à 13h le premier restaurant McDonald's de Genève, qui est un restaurant du matin. Ça veut dire que c'est une nouvelle prestation que nous offrons à la clientèle genevoise, avec un alignement des horaires sur notre partenaire Migrol, qui permet de servir dès 6h30 le petit déjeuner à Genève. Naturellement, à 6h30, nous préparons la spécialité de McDonald's, qui est le sandwich Egg McMuffin, que vous aurez naturellement tout le loisir de déguster, si vous en avez l'envie. Voilà pour le premier événement, donc un nouveau restaurant du matin, qui sera aligné sur les mêmes horaires de tout le centre, 6h30, 22h30. Nous avons un deuxième événement d'envergure que nous pouvons vous annoncer aujourd'hui. Il s'agit en première européenne d'une commande à distance qui permet de, comme il a été mentionné tout à l'heure, de commander directement à la colonne son menu, son sandwich ou sa boisson préférée. L'idée est d'utiliser le temps de l'automobiliste qu'il passe pour faire son plein et lui mettre à disposition ce temps et mettre à disposition un système de commande à distance qui permet à nous de directement enregistrer ses désirs et de les lui préparer pendant qu'il fait ou il finit tranquillement son plein. Nous avons aujourd'hui ici toute l'équipe des concepteurs de cette installation à votre disposition qui pourra vous donner toutes les explications utiles. Il s'agit spécialement d'un système indépendant, interactif, où on dialogue avec l'écran tactile qui se trouve à côté des colonnes à essence. Lors de la visite tout à l'heure, nous pourrons vous donner les détails. Nous avons voulu voir loin pour cette première européenne, et ça nous amène au troisième événement où nous nous sommes rappelés que nous devons aussi voir près de nous. Et pour notre troisième événement, nous avons pensé à soutenir aujourd'hui une organisation de Genève, une organisation de sourds et malentendants. Nous en avons eu doublement l'idée aussi, parce que nous avons parmi notre personnel Vincent, malentendant, et qui fournit un job magnifique chez McDonald's. Et le fait que nous avons une installation indépendante qui permet le dialogue par écran tactile, évidemment que c'est le seul poste où sourds et malentendants en toute aisance peuvent dialoguer avec McDonald's. Donc cette double idée nous a amené aujourd'hui, en repensant aussi plus près de nous, comme c'est la tradition à l'ouverture de chaque restaurant, de soutenir une organisation. Et nous avons parmi nous M. Alexandre Tser, permanent social, et nous allons en votre présence lui remettre un chèque de 5000 francs au nom de McDonald's pour soutenir le centre de rencontre et d'accueil et de loisirs des sourds et malentendants de Genève. Et pour cette remise de soutien, Madame Linda Zender, présidente de la maison Ronald McDonald de Genève, va se faire un plaisir de lui le remettre. Voilà pour notre troisième événement. De ce chèque de 5000 francs. Le centre d'accueil de rencontres de loisirs de Genève a été créé en 1982. Selon les statuts, les sourds sont membres de droit de ce centre. On appelle notre centre la maison de culture. Les sourds ont besoin de se rencontrer. On évite ainsi l'isolement des sourds. Les sourds, ce qui leur fait défaut le plus durement, ce sont les informations, et surtout en ce qui concerne la politique. Les sourds n'ont pas accès aux informations sonores. Ils utilisent leur langue, qui est la langue des signes.
Dans notre centre CRAL, nous organisons plusieurs activités. Nous éditons un journal, par exemple, qui s'appelle Les Mains du CRAL et dont je suis responsable. Nous organisons également des conférences, des rencontres pour les parents sourds, des cours de français. Alors, on compte environ 500 sourds, pardon, dans le canton de Genève. Alors voilà, je vous remercie encore une fois pour le don que vous nous faites. Vous avez pensé aux sourds et malentendants de Genève, je vous remercie du fond du cœur. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce qu'on va faire de ce chèque. On a besoin de, en priorité... Alors, quand les sourds sortent, prennent l'air dehors, ou... Bon, ils ont leur langue des signes, et cette langue des signes, il faut avoir de la lumière. Donc, si à l'extérieur, il n'y a pas de lumière, les sourds, ils font quoi? Ils partiront de chez eux, ce qui est fort dommage. Voilà, nous allons donc acheter de la lumière avec ce chèque. Monsieur Tser d'apporter la dernière touche officielle à cette conférence de presse. J'aimerais, mesdames et messieurs les journalistes, vous inviter maintenant à participer soit en rang dispersé, soit sous forme de visite guidée à la visite du site et des diverses installations qui sont montées. Et puis, j'aimerais vous rappeler à tous qu'à 11h, nous avons l'inauguration officielle de cette station en présence de Monsieur Gérard Ramseyer, conseiller d'État, en charge du département de justice, police et des transports. Je vous remercie à tous, de votre participation et je vous invite à poursuivre la visite comme il vous conviendra sur le site. Bonne fin de journée. J'aimerais adresser un salut tout particulier aux personnalités qui sont présentes ici aujourd'hui. Et en premier lieu, M. Gérard Ramseyer, conseiller d'État en charge du département de justice et police et transport. M. Roger Baird, député au Grand Conseil. M. Claude Auzer, président de Valexer et directeur général de Migros Genève. M. Ronald Gantz, directeur général de Migrol Suisse. Monsieur Charles Zender, franchisé de McDonald's à Genève, et Monsieur Carlos Sardinia, directeur général d'Europcar en Suisse. J'aimerais également remercier tous les représentants des médias
qui couvre cet événement. Monsieur le Président, messieurs les directeurs, monsieur le député, ce qui est de formidable ici à Val-Exer, c'est que à chaque passage, on ne célèbre pas une fin en soi, mais une étape de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est une étape automobile, le centre le plus moderne, le plus grand, le plus confortable. On y trouve de l'essence, des réparations, des accessoires. On peut conjuguer la mobilité et l'estomac. On peut s'y restaurer. Bref, une installation particulièrement complète. Alors, il me plaît de dire bravo. Bravo et merci à Val-Exer dans une période de conjoncture difficile. C'est croire en Genève que d'ouvrir un tel centre. C'est miser sur l'avenir que de se lancer dans une telle entreprise. Il s'agit donc ici de le dire très clairement. Bravo et merci aux commerçants de cette ville pour l'exemple de dynamisme qu'ils offrent. Il y a un deuxième élément qui me paraît essentiel. Au lieu d'inaugurer quelque chose qui vient en plus, qui prend encore plus de place et qui fait plus grand, ici on fait mieux, on fait plus beau, on fait plus confortable sur ce qu'on a. Et cette extension qualitative prélude à un engagement d'une centaine de millions dans ce quartier, cette tension qualitative me paraît devoir être particulièrement soulignée. Un autre élément qui vous fera sourire, mesdames et messieurs, c'est la vocation régionale de ce centre. Le nouveau slogan à la mode dans ce quartier, c'est « Je vis en France, j'achète en Suisse ». Ça nous change. Et puis enfin, un clin d'œil au transport public, domaine dont je suis en charge. Vous avez ici la préfiguration exacte de ce que c'est qu'une plateforme multimodale. Un centre ouvert à l'automobile. Un centre d'ores et déjà largement servi par une ligne de bus. Vous pourrez y parquer pour vos achats, mais vous pourrez y parquer pour prendre les transports publics et aller travailler en ville. Bientôt peut-être, et Dieu sait si nous ne ménageons pas nos efforts à ce sujet, ici à gauche passera la ligne de métro, avec une station qui dessert précisément Val-Exer. De sorte que je salue aujourd'hui en Val-Exer un symbole, celui d'une Genève qui bouge, d'une Genève qui croit à demain, et surtout, une Genève qui reste fidèle à son image de marque, à savoir la qualité. Merci donc à Val-Exer, merci à ses commerçants, merci à Migros, merci à Migrol, merci à McDonald's de donner cet exemple. Sachez combien nous y sommes sensibles. Mesdames et messieurs, bonne visite et bonne journée. Bon, alors on fait comme ça. Voilà. Allez, on voilà, mettez vos chemins là. Hein. Allez, il est où? Ok, ça y est, on coupe. Ça y est, voilà. Thank you.